Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo haul, chaussures, accessoires et beauté. On commence avec les chaussures, et goûté des petites paires de chaussures mais vraiment sympathiques. Donc je commence avec cette paire de petites bottines que je trouve super sympa, super tendance. Donc les bottines montantes en vinyle. Et en plus elles sont pratiques pour cette mi-saison parce qu'il fait pas encore chaud. Pas encore super beau. Il fait pas trop froid, donc c'est le bon compromis. En ce moment il pleut un petit peu. Ouais. Donc c'est idéal pour cette saison pour le coup. Moi aussi j'ai pris les mêmes. Alors je sais pas si vous allez voir, oui, vous allez bien voir. C'est que les miennes elles sont bordeaux. Super. Elles sont indispensables, elles sont toutes mignonnes, un petit talon. C'est vrai que quand on n'a pas envie de mettre des derbies, quand on n'a pas envie de mettre des baskets, bah, la petite bottine, c'est vraiment le bon compromis. Donc on a des belles chaussures de ville mais sans être perché sur des hauts talons. Ouais. On enchaîne avec une autre paire de bottines. Donc c'est celle-ci. Ambiance esprit 90, 90s. Donc c'est vraiment ça qui m'a plu. On est vraiment bien dedans. Donc c'est parfait pour la mi-saison. Donc voilà, cette petite paire de bottines qui est super sympa. Nouvelle paire de bottines, donc toujours chez André. Super mignonne. Parce que j'aimais bien dans ces chaussures, c'est vraiment la hauteur de la bottine. Et aussi le fait qu'elle soit pailletée. Il y a un effet pailleté avec des imprimés fleuris. Ça fait un peu, il y a un petit côté vert militaire. Je trouvais que ça, ouais, un effet un peu militaire, mais avec des fleurs. Donc j'aimais bien ce camaïeu de couleur vert, marron, et surtout l'effet pailleté, l'effet glitter. Ouais, elles sont vraiment élégantes, super tendance, on valide. Toujours chez André avec cette superbe paire de derbies. Elles sont vraiment belles. En ce moment, on est très derbies, on est métallisé. Très voilà, métallisé, doré, pailleté, sequin. Donc vous avez certainement dû voir notre haul Mango Outlet. Mango Outlet, sorti toutes nos paillettes. Ah ouais, là, c'est la grande tendance et bah, ça donne un petit coup de... Ça donne un coup de peps à une tenue, ça relève le niveau même. Ouais. Carrément. Ça relève le niveau, ça donne du style. Et... Voilà, la copieuse en plusieurs coloris. Et franchement, j'ai vu celle-ci, j'ai fait non, c'est pas possible. Je peux pas les laisser partir. Ouais. Impossible de passer à côté de cette tendance. Voilà, les derbies métallisés, c'est vraiment la chaussure à avoir. Et du coup, les miennes elles sont roses. Ça fait un peu rose métallisé. Et les miennes elles sont plus gris métallisé en fait. J'ai laissé tenter. Donc les chaussures qui nous ont pas coûté très cher. Et en plus, il y a des promos. Donc voilà, la derbies, indispensable, incontournable à avoir. On continue donc toujours avec des chaussures de chez André, avec ses petits mocassins. Alors, je les ai trouvés super sympas. Tout ce qui m'a plu, c'est le dessus. En fait, la chaussure, elle est très classique, très simple, mais c'est décalé avec les paillettes. Pour les prendre. Ouais. Mais Nadège m'a devancée. Elles y étaient en un autre coloris. Oui, mais je crois que c'était un peu rose poudré avec des paillettes. Elles aussi. Étaient bien, mais elles me plaisaient pas trop. C'était moins bien. Voilà. Et je lui piquerai en fait. Voilà. Je lui piquerai. Des chaussures plates, super tendance. Donc les mocassins. On continue toujours chez André avec cette paire de superbes ballerines ouvertes. Ah, je les ai vraiment trouvées trop belles. Trop mignonne, la couleur est vraiment sympa, avec le petit nœud comme ça, confortable, idéal pour la mi-saison, pour l'été. Franchement, avec ça on peut se faire des petits looks sympathiques. Je veux bien m'amuser avec ces petites chaussures qui sont confortables à porter, on est bien. En ce moment moi je suis plus talon plat que talon haut, sympathique, toute mignonnette. On continue avec cette petite paire d'escarpins. Donc des escarpins argentés et là ça change de l'escarpin vertigineux au talon, super confortable et ça va rehausser des tenues qui peuvent être un peu plan-plan. Donc de par la couleur et sur une matière un peu croco, un peu serpent, je trouvais ça super sympa et super intéressant. Je valide. Et on enchaîne avec cette splendide paire de sandalettes.
toujours dans la mouvance dorée, lamée, or, argentée. On est super confortable dedans. Chaussures avec un petit talon, stylée, élégante. Toutes les chaussures viennent de chez André. Donc en ce moment, il y a des super promos sur le site. Donc vous avez le thème outlet et là, vous pourrez trouver des chaussures à moins 30% et à moins 50%. Tout ce qu'on vous a montré est toujours disponible soit en magasin ou soit sur leur site internet. On enchaîne toujours avec des chaussures, mais cette fois-ci des chaussures de la marque Eram. Et là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Elles sont super, super mignonnes, sympa. Ce qui m'a plu, c'est que ce sont des ballerines, donc ok, mais ce sont des ballerines stylées. On n'est pas en mode mémé. Et je n'ai eu que des compliments des portées. Tout le monde les a trouvées super sympas, super mignonnes. Et en plus, elles sont pas chères. Cette petite paire de ballerines, vous pouvez les retrouver de 39€. Un petit prix aussi qui est tout aussi mignon. Moi aussi, j'ai les miennes. Mais sur cette version-là, franchement, elles sont nickel. Mmh. Un style ballerine, mais babies. Hein. On a vraiment craqué pour la tendance argentée. Mais c'est sûr. Voilà. Mmh. Mais c'est ça qui donne le côté stylé en fait. Parce que la chaussure, c'est très classique. Mmh. Hein. Vraiment les petites chaussures vraiment mignonnettes. Mignonnes, sympathiques. On se prend pas la tête avec un petit jean, un t-shirt blanc. Et c'est parti. Donc ça, voilà, ces chaussures aussi, elles m'ont pas coûté cher. Mmh. Elles m'ont coûté 49€. Donc franchement les filles, si vous voulez des chaussures sympathiques, à la mode et pas chères, donc y'a Eram. On continue maintenant avec les accessoires. Et là, j'ai un tout petit sac que je trouve aussi mignon. Dans la même mouvance que les petites ballerines de tout à l'heure. Mmh. Mais là, on a la version sac, avec la petite bouche pailletée à l'intérieur. On a de quoi ranger ses affaires. Il y a cette place, hein, même si ce sac est petit, on peut quand même y ranger pas mal de choses. Bon, le sac en lui-même, il est classique. Hein. Mais là, ce qui donne un côté vraiment mode, c'est la bouche. Avec les paillettes, là, franchement, il est super sympa. Je me demande si je veux pas aller me l'acheter aussi. Ah bah pourquoi pas. Il n'y a pas de problème, j'ai déjà le mien. Donc du coup, il t'a coûté combien? Alors ce petit sac, il a coûté 29€. Et donc, je lui envoie plein de bisous. J'enchaîne avec... Ah, ce petit sac à croquer. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh là là, il est trop mignon avec sa petite anse. Tendance d'avoir des petits sacs, des sacs décalés. On peut pas mettre grand chose dedans, mais on peut mettre l'essentiel, hein. Le téléphone, voilà. Le gloss, la carte bleue. Voilà, l'essentiel tiendra. Un côté décalé fruité. Je vais vous le montrer comme ça. N'importe quoi. Il est brodé avec des petites perles. Voilà, si, je sais pas si vous voyez bien avec des petites perles, c'est ça. C'est vraiment une gamine. C'est toi qui es en train de me mettre la pastille sur le visage. Alors, avec une, comment dire, des perles que j'ai acheté chez Balaboosté, boutique rue de Rivoli. Il a coûté 29,90€, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, 29,90€. On a hâte de vous faire des looks avec. Voilà, on a hâte de vous faire des looks avec. Donc, il est vraiment super sympa. Mignon, mignon, mignon. On continue avec des accessoires qui viennent de chez Forever 21. Donc, qu'est-ce que nous avons acheté là-bas? Ce collier. Un collier donc doré, un peu bling bling, en mode chaîne de vélo. Un collier qui donne du style. Voilà, le collier chaînette, voilà, un collier chaîne, voilà, très couture. Ouais, c'est un petit côté, ouais, voilà. Couture, ouais. Et en même temps, bling bling. Donc, ce collier avec ce choker, donc tout est assemblé comme ça. J'ai trouvé ça vraiment sympathique. J'ai trouvé ça élégant, stylé et délicat. En même temps, donc, ça fait du coup trois colliers en fait. Oh, voilà, ça fait trois colliers. Ça n'a pas coûté très cher. Hein. Donc, il faut revendre. Voilà, le collier, voilà, celui-là, il a coûté 9€. Et l'autre petit collier a coûté 7€. Toujours disponible chez Forever 21. Donc, voilà, voilà. Place à la beauté avec Adopt. On aime aller chez Adopt parce que les prix sont vraiment tout petits, tout doux. Et on y trouve, mais vraiment de tout, de tout. Et moi, j'ai craqué pour cette fragrance. Donc, c'est de l'eau de parfum. Enfin, le parfum oriental. Et à l'intérieur, il y a des petites paillettes. Vous secouez ça et vous vous parfumez. Mais vous sentez une odeur. Mais vous sentez très bon. Et en plus, ouais. Ça vous laisse des petites paillettes comme ça. Et ça vous laisse des petites paillettes. C'est vraiment une super bonne odeur. Voilà.
je me parfume comme ça, donc vous allez pas le sentir. Moi je le sens. Voilà, je sens super bon. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Et pour le prix auquel. Le prix. Donc franchement, ça n'a pas coûté cher. Donc ce petit parfum, il a coûté 7,95 €. Et ouais, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est le parfum été estival. Ça sert à rien d'aller user nos vrais parfums. Vous mettez ça. Oui, voilà, c'est pour le quotidien, pour le quotidien. Voilà, vraiment notre truc du moment. Voilà, le petit parfum du moment qui vous laissera une très très belle odeur et des petites paillettes. En ce moment, on est très paillettes. J'ai envie de vous parler un peu de maquillage avec cette petite trouvaille chez Adopt toujours. Donc, il s'agit d'un fard à joues. Donc Adopt des joues à croquer, donc Candy Blush, des petites paillettes à l'intérieur, c'est brun doré, brun doré. Et nous, on s'en sert aussi comme fard à joues, mais on aime bien l'utiliser aussi pour faire comme highlight. Voilà, pour faire du highlight. Il est pas cher, il fait bien son job et il a coûté 4,95 €. On s'est acheté aussi des crayons à lèvres. Ils sont vraiment bien. Moi, j'avais commencé par ce crayon là et j'ai eu vraiment beaucoup de compliments parce que c'est une couleur qui est vraiment punchy, qui est pêche. Fuchsia. Voilà, fuchsia. Et il y avait les rouges à lèvres aussi qui allaient avec, mais franchement, ces crayons là sont tellement pigmentés qu'on n'a même pas besoin de mettre un rouge à lèvres par dessus. Je porte ce crayon à lèvres en tant que rouge à lèvres, je n'ai que des compliments. Ouais. Tout le monde me dit ouais, où tu l'as acheté, quand machin, la couleur. Et franchement, j'ai utilisé au moins, je crois que c'est mon troisième stylo. Hein. Stylo. Donc franchement, vous pouvez y aller, c'est pas cher. Pour seulement 4,95 € le stylo. Franchement, vous pouvez acheter toutes les couleurs. Un primer de chez NYX. Et là vraiment, c'est mon primer chouchou. C'est le pore filler, donc il crée un fini lisse et satiné. Il réduit l'apparence des pores dilatés et il peut être utilisé sous ou par-dessus le maquillage. C'est nickel chrome et pour le prix surtout, parce que le pore filer, il est à 11,90 €. J'ai acheté ce petit anti-cerne, donc concealer. Donc là, c'est le HD Studio Photogénique. Ça se présente comme ça. Voilà, un petit embout comme ça en mousse. Tout à fait, franchement, c'est facile à appliquer. La couleur, elle est parfaite. Et la texture est plutôt crémeuse. Et pour le prix, parce que chez NYX, c'est vraiment ça l'avantage, c'est que c'est des bons produits et surtout des produits qui ne sont pas chers. Voilà, le concealer, il a coûté 6,90 €. Donc pour le coup, la couleur chez nous, ça correspond à une couleur cacao. Donc, on continue avec le teint, avec ce produit donc, qui s'appelle Total Control. Donc là, c'est un fond de teint goutte en fait. Ouais. Je suis abonnée sur Instagram, donc au compte de NYX, et j'en voyais à chaque fois dans leurs publications. Tout le temps, ils parlaient de ce produit. Il y avait en même temps des vidéos qui tournaient avec des gens qui testaient le produit. Et je trouvais ça mais vraiment super. Donc, je me suis ruée chez NYX à la Défense et j'ai acheté donc ce petit fond de teint. Pas besoin de mettre énormément de matière pour avoir un rendu nickel. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de sympa dans ce fond de teint. Mmh. Et surtout pour nous qui avons la peau grasse. Ce fond de teint, une fois qu'on l'applique, on a un fini mat velouté. On le recommande. On le recommande. Pour le prix. Alors pour le prix, alors tu le fond de teint. Makeup Studio. Ouais, voilà, c'est là. 15,90 €. Donc toujours chez NYX, la petite poudre HD Studio. Donc ça, c'est vraiment bien pour terminer le maquillage, pour fixer en fait. Mm. Donc c'est une poudre blanche, translucide, elle fixe bien le maquillage, donc il n'y a rien à dire et franchement elle est nickel. Nickel et pas cher. Pour avoir testé celle de chez Makeup Forever, elle coûte quand même, celle de Makeup Forever, elle est à plus de 30 €. Voilà. Donc là on l'a à 15,90 €. Mm. Voilà, il n'y a pas photo. Place au blush. Donc je l'ai pris comme ça un petit peu par hasard. Moi c'est la couleur qui m'a vraiment marquée sur le moment quand je suis passée à la boutique. Je l'ai essayé et franchement je suis super contente. Là je sais pas si vous allez le voir, j'en ai mis un petit peu aujourd'hui sur mes joues. Ouais. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Donc j'en ai pas mis beaucoup mais
juste ce qu'il faut pour donner un petit coup de bonne mine. La bonne mine, tout simplement. Et ce petit coup de bonne mine, combien coûte-t-il? Alors, ce petit effet bonne mine, il coûte blush single, voilà. 6,20€. Voilà. Par contre, moi j'ai un petit bémol par rapport au packaging. Moi je trouve que quand même, ils auraient pu le mettre dans un truc. Voilà, le mettre dans un truc comme un peu le blush qu'on vous a montré, oui. Voilà. Le mettre sous cette forme-là en fait, avec un petit... Un petit boîtier. Là, c'est vraiment juste une petite capsule et voilà, il y a juste un truc en plastique, ouais. Pour voilà. Donc peut-être il faut acheter une palette. Peut-être il faut acheter une palette, mais si vous les achetez en individuel, ils vont se présenter sous cette forme. Et là, je trouvais que c'était un petit peu moyen. C'est le petit bémol, mais sinon, il est très bien. On continue avec ce produit qui est vraiment révolutionnaire. C'est le Matte Finish, donc Fini Matte. C'est un petit spray que vous utilisez comme ceci. Bon, bah tiens, on va essayer. Voilà. Eh bah tiens, on va essayer en direct, ouais. Je ferme les yeux quand même. Petit coup de... Voilà. Voilà, on l'utilise comme ceci. Un petit peu. Pour laisser sécher. Et ça, c'est ça donne un effet mat. Ça finit et ça fixe en même temps votre maquillage. Ils l'ont sorti chez MAC. Je crois qu'il coûte quand même un peu plus cher. Il coûte un peu plus cher parce que celui-là, ouais. Donc ça s'appelle comment ton truc, Spray. Voilà. Ah, il coûte 7,90€. Et il fait vraiment bien son job. Ah ouais. Donc on termine avec une gamme qu'on apprécie beaucoup, mais qui est un peu plus chère. Ouais. Donc c'est la gamme Make Up Forever. Forever. Et donc. C'est vraiment, on l'utilise depuis des années. Et franchement, on est toujours satisfaite. Oui. Au niveau, point de vue qualité-prix, bon bah, ça va. C'est pas excessivement pas cher, ouais. Mais c'est sûr que quand tu vas acheter une poudre, un fond de teint, un truc, ouais, un machin, voilà, là, ça commence à monter. Et là, on est là sur une poudre, ouais, matifiante. Donc c'est le Pro Finish et franchement on est toujours satisfaite. Ouais. Donc en fait c'est ce qu'on a utilisé aujourd'hui pour faire notre teint et franchement oui du coup c'est ce que vous en pensez. Voilà. Nous c'est à petit, c'est vraiment un maquillage naturel, simple, hein. Simple. On n'essaye pas de faire non plus trop de chichi. On aime la simplicité. En couleur, nous on a pris la couleur 180. Donc 180 c'est brun doré. Le prix est moins sympa, mais ça va. Ça va quand même. Donc du coup, pour le coup, ça nous a coûté combien, voilà. 39,50€. Bon, Ça va. C'est quand même une bonne marque. C'est une bonne marque. Pour, on va dire 40€, on va arrondir. Oui, pour 40€, on peut quand même avoir une bonne poudre qui va nous servir vraiment longtemps et qui est efficace. Qui est vraiment efficace. Mmh. Et dans la même mouvance, on s'est laissé séduire. On s'est laissé séduire par l'anti-cerne. Oui. Moi, à la base, je voulais m'acheter le... qu'on appelle ça, le stylo lumière, là. Oui, de Yves Saint Laurent, c'est ça? Ouais, voilà. Je voulais m'acheter la touche éclat, ouais, de Saint Laurent. Et j'ai demandé à la maquilleuse de me donner ce type de produit. Et elle m'a conseillé de prendre justement, ce concealer. Et on l'a testé. Quand elle l'a mis sur moi, c'était nickel. Et voilà, pour faire vraiment la base du teint, on aime mettre quand même un petit peu. Mais franchement, avec le combo NYX, Make Up Forever, voilà, on peut tout à fait mixer tous ces produits et se faire un maquillage sympa. Donc pourquoi pas juste le fond de teint NYX et puis on matifie avec Make-up Forever, enfin voilà, mélanger tout ça et puis et faire un maquillage sympa, hein. Voilà, donc ce haul est terminé, oui. Mais on a eu plaisir à le tourner. Donc en fait, en conclusion, on voulait vous préciser que tout ce que nous avons acheté là, tout ce qu'on vous a présenté est disponible actuellement, oui. Soit sur internet, soit directement en boutique. Donc on vous mettra tous les liens en barre d'infos, ouais. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et surtout, on voulait remercier donc toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Oui, merci. Donc on vous souhaite la bienvenue. On vous fait
plein de bisous. Donc vraiment merci, merci, et surtout merci pour vos commentaires. Oui. Ça nous encourage et on a hâte de se revoir dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, parlez de la chaîne, donc partagez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.